Du coup, on va créer une partie. Bon, on va faire, voilà. Très bien. Elle s'appellera Caro Caro. Pas mal, ça, comme nom. Du coup, les amis, l'objectif va être très, très simple de ce challenge. Vous allez très vite comprendre. On va commencer dans cette maison qui fait un carreau par un carreau. On va essayer de se faire de l'argent et l'agrandir au fur et à mesure avec divers moyens sans sortir de chez nous. Évidemment, très important. C'est un WC public. C'est totalement un WC public. Hein. Elle est dans un dressing. Elle est dans le placard sous l'escalier de Harry Potter. Et oui, effectivement, faut que je mette l'argent à zéro. Bon, je vais faire un résumé des règles au cas où ça soit pas très clair. Le but de ce challenge est de commencer dans une maison de 1 par 1. On va devoir commencer sans argent et sans la possibilité de sortir de chez nous. Le but final de ce challenge sera de réussir à se faire suffisamment d'argent pour avoir une maison fonctionnelle. Voilà, j'espère que c'est clair. Bisous, bonne vidéo. Ce qu'on va être obligé de faire, je pense, pour commencer, parce que là, en fait, un tableau, ça va pas passer. Parce que le tableau, il faut qu'on ait un espace de 1 devant nous. Donc, ce qu'on va devoir faire, et ce que je vous propose qu'on fasse, c'est qu'on va prendre des photos. Ah, il est pas mal ce selfie du coup. Normalement, on va pouvoir les vendre et se faire un peu d'argent. Il va falloir qu'on fasse vite parce que nos signes vitaux vont vite descendre. Là, déjà, regardez, on a fait 20 photos. Comment ça fait 54. Pff, trop facile. Si j'augmente de 1 carreau, ça me coûte 120. Et un chevalet, ça coûte combien? 350. Donc, il me faut 470. Par contre, il fait jamais jour dans cette ville ou c'est comment? Donc là, bam, ça fait de la photo. On va continuer tout simplement à faire des photos jusqu'à avoir. Comment j'ai dit? 470, je crois. 470. Donc, avec 20 photos, on avait 50. Il va falloir, allez, on va dire 150 photos. Non, ça fait beaucoup, 150. Regardez, je vais pas prendre 150 photos là, si. On est en train de monter en compétences photo, néanmoins. Et c'est pas mal parce qu'on monte en compétences photo et ça se trouve, les photos valent plus cher. Vous voyez, 20, maintenant c'est 62 balles. Un comité d'accueil, par contre, ouais, je suis désolé, mais votre cake aux fruits, t'imagines, t'arrives, tu veux te présenter à ton nouveau voisin et tout, et t'arrives devant la maison, et genre t'as ça, et t'entends quelqu'un dedans. J'imagine les voisins qui arrivent qui sont tout contents. Oui, bonjour, bienvenue dans notre quartier et tout. Et t'as juste genre juste un WC public. Ok, donc là normalement, voilà, 120, on peut agrandir. Et là déjà c'est mieux. Prochain objectif, 350 pour se faire un chevalet. Du coup, si ça passe logiquement à 350, là on est censé pouvoir s'acheter un petit chevalet. Ok, ça passe pile poil. Let's go. Déjà, on va pouvoir se faire un peu plus d'argent. Vous voyez que là, il va falloir qu'on fasse assez vite parce que, bon, c'est surtout la faim qui m'inquiète parce qu'encore, si on se pisse dessus et tout, c'est pas très grave. Si on commence à avoir faim et qu'on n'a pas de frigo, c'est-à-dire que là, il faudrait agrandir d'une case et mettre un frigo. Je pense que c'est la priorité, le frigo. Ah putain, mais du coup, oui. C'est vrai qu'il me faut de l'argent pour faire l'étoile. Là, je pense qu'avec ça, 71, 97. Oh bah écoutez, on va faire encore 5 photos pour pouvoir se faire une petite toile à 100 balles directement. Voilà, fini son tableau. 80 balles. Premier tableau. 80 balles. On est en perte. C'est normal. On fait déjà des bénéfs. Bien sûr. Deuxième toile, 140. Et trop tendu pour faire cela. Ah bah on va faire des photos. Hein. Oh, la fin, on commence à être dans le jaune. Une fois que c'est baissé, faut vite qu'on fasse un tableau. Petite toile classique. Il faut que je regarde combien ça coûte un frigo. Parce que là, l'objectif, ça va être de manger quand même. Hein. Le frigo le moins cher, c'est 215. 215 et augmenté d'un truc, c'est 120, je crois. Donc ça fait 335. Grande toile directe. Le début, faut qu'on soit stratégique. Hein. 348. Oh, j'ai assez avec 348, non? Le problème, c'est qu'il faut qu'elle ait accès aux deux, en fait. Attendez. Je viens de penser à ce problème là. Faut qu'elle ait accès aux deux. Ah non, mais sinon, je fais juste ça. Elle prend trop de place. Je pense qu'il faut deux de large. Oh pétard. Oh, ça m'a pas coûté. Ça m'a pas coûté d'agrandir comme ça. Oh bah là. On a un frigo. On aura peut-être même le temps d'acheter des chiottes. Il faut qu'on arrive à acheter un chiotte avant qu'elle se pisse dessus. On vend les. Ouah, c'est... attends, 16 photos, 144 balles. Et les photos nous mettent bien en vrai. Première étape. Manger un repas rapide. On est bien. Oh merde, on a vraiment envie de faire pipi. Oh, et du coup, elle est mal à l'aise. On a peut-être le temps, les amis. Attendez. Parce que combien ça coûte un chiotte? On peut pas faire dans un pot de bébé. Oh, le premier chiotte, il coûte 250. Ok, faut qu'on prenne des photos. Vite. Oh, ça va être short. Hein. S'il passe pas, faut agrandir en plus. Je pense que ça passe pas devant le frigo. Avance encore un peu pour voir. Oh, ça passe pas. Là, je pense que là, on est bien. On est monté niveau 4, je crois, en photo déjà. Là, normalement, bam. Et là, normalement, on peut caler un chiotte. Ah, j'ai envie de chialer. Regardez cette maison, elle est magnifique. Hop, juste avant de suriner dessus, on a une maison incroyable. Ah oui, c'est vrai que je peux agrandir d'un carreau gratos, du coup. Bon, du coup, prochaine étape, vous le voyez, ça va être l'énergie. Prochaine étape, il faudrait qu'on cale un lit et une chambre. Faudrait qu'on achète des lumières aussi. Lumière, c'est pour votre confort, hein. C'est pas forcément pour le challenge. Ouais, des petites lampes. Regardez, on se met une petite lampe comme ça. On va même se permettre de faire un peu de déco. Petite déco comme ça, histoire que ça nous coûte pas très cher et ça la. Je pense que ça lui fait un peu plus plaisir, là. Ok, très bien. Et là, du coup, il va falloir qu'on agrandisse. Alors, pour l'instant, je pense qu'on va mettre un lit une place pour des raisons d'argent. Là, le lit une place, il passe, hein. Celui-là, je suis pas sûr. Je crois que c'est que pour les enfants, ça. Bon, 250, ça va en vrai. Eh, c'est joli, hein. On commence à avoir une vraie petite maison, hein. Petit studio parisien de charme, 3000 euros par mois. Oui, seulement, hein. Ok, 134. Mais les photos, ça nous met trop bien. Ça nous met limite plus vite, mieux que faire des toiles. Ok, on vend la truc. On vend la toile à 222. On commence à faire un peu plus du double. C'est sympa. On est niveau 4. Du coup, on a 368. Et les amis, 368, ça nous permet de tout juste acheter un lit. Voilà. Or, le studio parisien. Regardez comment il commence à prendre forme. Et elle va pouvoir dormir. Mais écoutez, pour l'instant, on est presque autosuffisant. On posera la douche que quand on aura une petite salle de bain. Donc on va essayer de faire une pièce séparée avec le chiotte et la salle de bain. Regardez Caro Caro comment elle est bien là. Ah oui, j'ai dit que je mettais une fenêtre aussi. Ouais, c'est pas mal, ouais. On essaie de faire la petite salle de bain. Ouais, j'ai pas assez de thunes. Hein. C'est chiant si je peux pas fermer, donc pour l'instant, on va juste mettre un mur et on va voir. Oh, la petite toile à 100 qui se vend 347. Let's go, ça met très bien. On va refaire une et après on aura de quoi faire la salle de bain, je pense. Parce que là, on en est où de l'hygiène? Ah, ça, on va être pile poil, hein. Du coup, on a 721 balles. Là, je peux vous dire qu'on est bien. On va pouvoir faire notre
petite salle de bain. Attends, on se fait plaisir. Hein. On se fait plaisir sur la taille de la salle de bain. Ah, est-ce que j'ai assez d'argent pour faire et la douche 375. Bon, du coup, on va faire une salle de bain un peu plus petite, ok? Du coup, on va réduire un petit peu la taille de la salle de bain, mais c'est provisoire. Oui, on peut mettre la porte. Magnifique ça. Et du coup, on va aller pouvoir prendre une douche. Ok, c'est parti, on fait des petites toiles. Oh, je vais pas m'embêter, je vais mettre celle-là. Petite salle de bain comme ça, là. C'est sympa, là. Ah, là, j'aime bien cette petite maison, là. On est pas mal, là. Et du coup, on peut même mettre un petit évier. Bon, social, ça va commencer à être compliqué, là. J'ai plus de thunes. On fait des photos histoire de reprendre la peinture. En plus, la peinture, on commence à monter vite. Putain, on a 900 balles, j'avais pas vu, ça monte vite. Hein. On a agrandi un peu le salon, la pièce principale. On va même agrandir encore un peu. On va pouvoir se mettre un petit truc extérieur. Bon, ça, c'est pas très urgent, mais on va quand même le mettre. Hein. Comme ça, c'est sympa, en vrai. Ça change. Je pense que je vais séparer d'abord la chambre, un peu plus grand. Hein. On va essayer de se faire une petite chambre déjà. On commence à se faire pas mal de thunes avec les peintures. Hein. On est presque 8, là, c'est la régalade. On va mettre une petite lampe, tranquille. Ah, très bien cette chambre. Oh, niveau 8 en peinture, bien sûr, ça met bien. Mais il faudrait peut-être qu'on fasse en priorité peut-être un petit bureau avec un ordi et tout pour qu'elle se mette bien niveau social. Après cette toile, normalement, on devrait pouvoir se faire le petit bureau. Elle est au bout de sa vie. Hein. Elle est au bout de sa vie, elle est triste. Hein. Caro, elle se sent pas bien. Je vous propose que nous commencions à améliorer la maison en faisant tout simplement un bureau. Qu'elle puisse avoir des interactions sociales, ça la mettra bien. En vrai, je nous vois bien faire un petit bureau ici, vous voyez. À coûter 500 balles, cette histoire, mais c'est pour la bonne cause. On va pouvoir mettre une petite porte ici, évidemment. Ah là, c'est pas mal. Et là, c'est pas mal. Petit bureau comme ça me paraît pas mal. Ouais, parce qu'après, ça fait un peu cher. On va s'acheter celui-là à 1400. Donc là, il faut qu'on fasse des peintures. Le chef-d'œuvre, les amis. Oh, celui-là. Le prix de l'ordi. Oh, le chef-d'œuvre, il met bien. Oh, là, je suis heureux. Ça y est, le premier chef-d'œuvre de Caro. On va pouvoir acheter le petit ordi. Magnifique. Chose comme ça, c'est très bien. Il nous reste du coup 400 balles. On peut se mettre un petit tapis. Regardez comme c'est beau. Bah, alors ça, on peut le mettre ici, du coup. Est-ce que c'est une bonne idée d'innover? Je suis pas sûr. Mais je suis en train d'innover, là. Belle avant l'ajout des cadres. Ok, ok. Bon, c'est bon, j'ai compris. J'ai compris, j'arrête. Ouais, des plantes, ça rend toujours bien une petite plante, là. Maintenant que Caro a un ordinateur, elle va pouvoir remonter son besoin social. Ah oui. Oh, Caro, non mais Caro, je t'aime, Caro, je t'aime. 1700 balles, les amis. Attendez, j'aimerais bien... Eh, là, c'est pas mal, hein. En vrai, comme ça, c'est pas mal. On a pu agrandir la pièce principale. Faudrait que j'agrandisse la chambre, parce que là, ça fait un peu petit pour une chambre. Écoutez, je vous propose quand même qu'on mette une porte d'entrée, même si on ne la prendra pas. Nous allons la verrouiller. Ah, j'aime bien, ouais, cette petite porte d'entrée. Ça fait un peu de lumière en même temps. Du coup, la cuisine, les amis. Voilà, ça sera un peu mieux avec celui-là. On va monter un petit peu en gamme. Petit évier comme ça. Ici, on va mettre la gazinière, mais on n'a pas encore assez. Qu'est-ce qu'il faut? Une poubelle, en vrai. Je pense que ça, c'est cool. Ouais, celle-là, elle est sympa. Ça change un peu. Allez, là, elle aime la peinture, là. Là, elle kiffe, là. Là, elle kiffe ce qu'elle fait, là. Oh là là! Non, mais Caro, je t'aime, Caro. Chef-d'œuvre à 2000 balles, mais oui, non mais là oui. Là, un chef-d'œuvre à 2000 balles, Caro, c'est oui. On a 3000 balles, là c'est bon, là c'est la cuisine, là. Je pense qu'on est pas mal, mais la cuisine est sympa en vrai, ça fait une petite cuisine assez sympa. Peut-être la chambre vite fait. Eh bien, celles-là, là, elles sont jolies, celles-là. Elles vont bien avec la couleur de la chambre. On a plus de thunes. Et tard, il faut qu'on fasse des peintures, les amis. Oh, Caro, je t'aime. Quoi, un chef-d'œuvre à 700 balles. Non, là, je suis déçu, là. Caro, je suis déçu. On va pouvoir faire un vrai repas, enfin. On va se faire un sandwich au fromage fondu. Allez, directement. Le salon, ouais, je vais faire le salon. Je suis insupportable. Dès que vous m'amenez dans un truc, après, je me perds et je fais n'importe quoi. Je pense qu'on va mettre tout ici, hein. De toute façon, on a pas trop la place de faire autrement. Magnifique celle-là. Je vous propose qu'on mette un petit meuble comme ça dans l'entrée. Très très beau. On va mettre un peu de déco évidemment, un petit buste féminin. C'est beau là, c'est beau. Hein. Est-ce qu'il y a vraiment besoin d'une plus grande table que ça? Moi je pense qu'on est pas mal là. Dernière toile que tu affiches dans son salon. Ah oui, c'est une bonne idée ça. À fond les palettes, nous sommes niveau 10 en peinture en plus. En plus de ça, nous avons le niveau maximum. Et elle va pouvoir l'afficher dans son salon fièrement. Le challenge est terminé. Elle a sa petite vie, tous ses besoins peuvent être remplis, elle a sa maison. Nous avons relevé le défi, les amis. Merci beaucoup d'avoir suivi ce petit challenge.